Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Et toi t'es un gnosso. Biloko ya ya yo Congolais. On y dit ne kola yo. A sali sa yo te. Pour la Corée na yo. Moko ma bonne la yo. Pour la Nzoto na yo. Moko ya ele. Pour ma bonne la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es un gnosso. Pour pas qu'on comprenne le thème, pas congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, la Pino Moko, pas qu'on est la Pino Coréenne, appétit. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, la deuxième partie. Je vous avertis déjà que cette émission peut choquer certaines personnes, mais il faut quand même le dire, hein, c'est très important. De poste Kagame, l'affront, le mépris et la haine. La pantalonnade du chef du Front patriotique rwandais sur les crimes commis en RDC et documentée par les rapports Mamping n'a pas laissé indifférent les patriotes congolais alors que ses thèses dans toutes les langues, les autorités du pays. La prospérité. Félix Tshisekedi lance un plaidoyer à Paris pour sauver l'Afrique. Z les CAF, Jean-Lucien rassure l'opinion sur les avantages attirés par la RDC. Et puis, économie en difficulté, risque permanent de la propagation de Covid-19. La République, Tiani induit Mbosso en erreur, loi sur la nationalité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Alors, vous avez suivi donc cette actualité. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que à partir de 4 heures ou 5 heures, j'ai suivi l'intégralité de ce sommet à Paris. J'ai suivi et les à côté parce que je suis très curieux pour voir comment ça se passait. Je me posais des questions. En fait, j'ai suivi cette émission en me posant des questions moi-même aussi. Parce que, vous voyez, la salle était là. Et quand Macron arrive, tout le monde se lève pour le saluer, monsieur le président et tout. Et lui, il était comme un préfet de l'école, là, devant ses élèves et tout le reste. Ça pouvait être un peu embarrassant. Mais quand on réfléchit autrement, on se rend compte que même nous, hein, dans nos mariages, nous nous levons pour saluer le marié, parce que c'est lui qui nous reçoit. C'est tout à fait normal, parce que moi j'ai vu ça, même dans nos fêtes, dans nos rencontres, on salue, c'est lui qui nous reçoit. Or, c'est la France qui a reçu, donc je peux comprendre le fait que les chefs d'État se lèvent pour le saluer. Mais c'est plutôt le caractère de soumission que j'ai aperçu dans le chef de certains chefs d'État qui m'a un peu offusqué. J'ai comme l'impression que l'Afrique continue à ne pas comprendre le rôle qu'il joue en réalité sur cette planète.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je trouve déjà inconcevable, personnellement inconcevable, que tout un continent soit autour d'un pays. Ce n'est pas les rapports d'Europe-Afrique, mais c'est plutôt les rapports de l'Afrique et la France. Et ça, ça m'embête un peu. Vraiment, ça m'embête un peu. Mais puis après, il faut le dire, il faut voir la réalité en face. Nous avons des économies assez fragiles. Et surtout avec la tentative de la Covid qui nous a alertés, mais vraiment, bon, il faut dire aussi avec cette histoire de Covid, nous avons été rapides à copier. Donc, il y a eu plus de peur que de mal, malheureusement. Parce que, la frappe, sinon, ce que les conséquences de la Covid en France, en Europe, ne peuvent pas être comparées à l'impact que la Covid a eu en Afrique. L'Afrique, c'était plutôt un fait psychologique, c'était plutôt un fait des médias. On a fermé les frontières, on a arrêté les gens, alors qu'en Afrique, le palu tue beaucoup plus que le corona, que ce coronavirus. En fait, les gens ont eu peur d'une maladie qui allait tuer moins de gens et nous avons exposé les gens à mourir des maladies qui réellement ravagent les gens. Bon, vous savez, on a dit qu'à Corona Gate et tout le reste, on sait bien, la guerre des pharmacies, ainsi de suite. Mais je suis convaincu que nous avons commis l'erreur d'avoir, d'avoir, extra-considéré. Le terme existe, on a sur-considéré l'affaire. Malheureusement que c'était vraiment pas si grave qu'on nous a fait croire. Mais attention, une mort déjà est une mort de trop. Alors il fallait peut-être prendre des mesures. Je crois qu'il fallait prendre des mesures. Peut-être que ce sont ces mesures-là qui nous ont aidés à ne pas être sérieusement frappés. Mais l'impact de la Covid en France et au Congo ou en Côte d'Ivoire n'est pas la même chose. La France, l'Europe, ces pays-là ont réussi à sortir un peu la tête à cause de la technologie. Le fait pour eux d'avoir une technologie très avancée, les gens étudient, les gens travaillent, étudient, continuent la vie sur Internet. On a simplement muté la vie physique à la vie virtuelle. Tout était fonctionnel pour la plupart des cas. Il y a le télétravail, il y a le e-enseignement et tout. C'est-à-dire qu'un étudiant peut passer son examen sans entrer en contact avec son professeur. Tout se passe virtuellement. Eux ont réussi à le faire et Dieu seul sait, et les statistiques savent combien ils ont pu épargner, combien ils ont pu gagner en termes d'argent. Mais nous en Afrique, et n'ayant pas la même technologie, n'ayant pas la même pénétration, la même consommation en termes d'électronique ou d'informatique ou d'Internet, nous avons eu des problèmes parce qu'on a demandé aux gens de rester à la maison. Les économies sont totalement dévastées et même les champs ont été impactés. Et du coup, le marché a subi les mêmes conséquences. Mais maintenant, parce qu'il faut parler de post-Covid, je voudrais qu'on se pose des questions, mais des vraies questions. Le Congo, quel est son plan? Le plan de la RDC, le plan post-Covid. Excusez-moi de vous le dire, on n'en a pas. Un plan national de post-Covid. Comment nous allons nous en sortir? Comment nous allons récupérer les retards avec notre économie? Avec notre... l'économie, les marchés et tout ça. Comment on doit le faire pour sortir de ça? Est-ce qu'il y a un plan rationnel, cohérent? Pas jusque-là. Donc, nous avons nous-mêmes des véritables problèmes. Mais, au-delà de tout ce que je peux vous dire, au-delà de tout ça, toute cette bonne façon de faire les choses, vous savez, Félix Tshisekedi, c'est le président de l'Union africaine, il n'y avait pas personne d'autre à représenter l'Afrique que lui. C'est tout à fait normal. Il est allé en deux casquettes. Alors, casquette du président du Congo, mais aussi le président de l'Union africaine. Et donc, ce qui lui a valu un peu plus de pouvoir, un peu plus de notoriété. Mais maintenant, à l'intérieur, réfléchissons maintenant. Mesdames et messieurs, excusez-moi de vous le dire, mais pour moi, c'est une perte de temps. Une perte de temps, pourquoi? Parce que l'argent que la France veut donner, ou l'argent que la France va injecter, dans nos économies, entre guillemets, faibles. Et pourquoi je dois dire que nos économies ne sont pas faibles? Nos économies sont tout simplement irréalistes. Nos économies sont tout simplement irrationnelles. Nos économies sont tout simplement irréfléchies. Parce que, en réalité, l'argent que l'Afrique produit ne sert pas à l'Africain, ne sert pas aux investissements africains. Mais par contre, l'argent que l'Afrique produit sert à la construction d'une vie, d'une catégorie de personnes. C'est au fait exactement ce que le président de l'Union africaine a dit. Nous ne sommes pas transparents. Du moment où vous ne savez pas combien vos présidents gagnent, combien vos ministres gagnent, la répartition des ressources,
Il n'y a pas de transparence. Nos contrats miniers, nous ne le publions pas. Les avoirs du pays, on ne le publie pas. Déjà, nous sommes dans une circonstance où nous ne savons pas réellement combien gagne ce qui nous gère. Et ça, c'est une situation extrêmement difficile. Ça vous empêche de vous développer. Regardez vous-même, vous allez voir, les hôpitaux que fréquentent les dirigeants sont des hôpitaux qui se trouvent à l'étranger. Quand un premier ministre malien tombe malade, quand un président gabonais tombe malade, il va se faire soigner à l'étranger. En Arabie Saoudite, il va se faire soigner aux États-Unis, il se fait soigner en Suisse, il se fait soigner en Inde. Mais ce que vous ne savez pas, c'est la fuite des capitaux qu'on organise. Et c'est avec l'argent des peuples africains. C'est le contribuable africain qui paye la santé à ses dirigeants qui déjà sont riches, mais que l'on prend encore en charge. Parce qu'ils doivent se faire soigner à l'étranger. Mais ils vont financer, remplir les assiettes fiscales, toutes les assiettes non économiques des autres. Et c'est ce qui est très embarrassant. Les dirigeants africains scolarisent leurs enfants où? C'est dans les meilleures écoles à l'étranger. Ça veut dire l'Africain, après avoir payé les taxes et les impôts, après avoir produit en Afrique, l'argent, au lieu que ça soit redistribué en Afrique, réinjecté en Afrique, cet argent va finalement être exporté pour aller soutenir la vie d'une caste. Et c'est ça notre plus grand malheur. Il ne faudrait pas qu'on se les cache. Un autre élément, c'est 90% des dirigeants africains qui, dans leur famille, vivent à l'étranger. Vous avez les présidents, vous avez les ministres, vous avez les chefs d'État, vous avez les chefs d'État-major, vous avez, bref, tous ceux qui réussissent en Afrique organisent une vie à l'étranger. Ça veut dire, l'argent produit en Afrique va servir à l'étranger. Et c'est Dieu seul sait combien nous perdons en termes d'argent. Tous les dirigeants africains, pour la plupart des cas, 90% ont leur famille à l'étranger. Leur famille vit à l'étranger. Et avec quel argent? Ce n'est pas l'argent produit là-bas, c'est l'argent produit en Afrique. Leurs soins de santé, les études de leurs enfants, les déplacements, leur tourisme, leurs voyages, leurs vacances, tout cet argent, c'est là. Leur plus belle construction, leur plus belle maison, ils logent l'argent dans les paradis fiscaux, ils logent l'argent dans les banques, mais c'est où? Mais c'est là-bas. Vous allez voir un dirigeant africain avoir 2 ou 3 ou 4 complexes immobiliers à Dubaï. Il est actionnaire de 7 ou 8 entreprises à Dubaï. Il est actionnaire d'une grande banque en Suisse. Il est actionnaire d'une très grande affaire à tel endroit. Il est actionnaire à Telsa. Il est actionnaire à Toyota. Mais il ne se préoccupe jamais de rapatrier sinon ces moyens-là ici chez lui. Il ne dira jamais, donnez-moi la licence pour amener Telsa en Afrique. Donnez-moi la licence pour amener Toyota en Afrique. Donnez-moi la licence pour amener telle entreprise en Afrique. Ça, ils ne le feront pas. Ils construisent leur vie à l'étranger. Et aujourd'hui, on va se plaindre du fait que nous n'avons pas d'argent. Mais l'argent part de cette façon-là. Donc ici, il faudrait un réveil. Sinon, un éveil de conscience des pays africains. Ça serait pas mal, par exemple, que le chef d'État africain décide de se faire soigner chez eux. Comme ça, ils vont construire les hôpitaux pour nous. Et nous tous, on aura droit à aller dans les mêmes hôpitaux. Nous mourrons de maladie parce que nous n'avons pas une bonne prise en charge. Nous n'avons pas. Mais eux sont évacués par des avions médicalisés, alors que nous n'avons même pas des ambulances. Voyez-vous un peu les contrastes? Eux peuvent voyager avec des avions médicalisés, des hélicoptères médicalisés, avec des médecins venus de l'étranger. Alors que nous, quand on tombe malade, nous n'avons même pas droit à une petite ambulance. Nous n'avons même pas droit à une toute petite voiture. Nous promenons nos morts, nos cadavres à bord des vélos, à bord des motos. C'est scandaleux, n'est-ce pas? J'ai vu des malades qu'on met dans les ketchs, dans nos petites voitures de taxi. On prend un malade, on le met dans les taxis. Et nous n'avons pas de bonnes routes. Ça veut dire qu'il y aura des secousses en route. Et si le monsieur déjà a un problème de respiration, dans ces conditions-là, il meurt. Ça veut dire que nous perdons des vies en Afrique à cause de notre désorganisation. Mais cette désorganisation, elle est produite par l'égocentrisme, par l'incapacité de la réflexion, par des bonnets, des valets, des occidentaux. Mais c'est comme ça que ça se passe en réalité. Je vais peut-être être choquant, mais c'est ça notre manière de faire les choses. L'Afrique perd combien d'argent toutes les années? Le Congo lui-même, nous-mêmes en tant que République démocratique du Congo, nous perdons 15 milliards de dollars l'an, documenté, rapport à l'appui. Le Tchad perd combien dans la corruption, dans la concussion, dans le coulage des recettes?
Le Tchad perd combien? La Guinée perd combien? La Côte d'Ivoire perd combien? Le Mali, si vous voulez, le Gabon, l'Érythrée, nous perdons combien? Toutes les années, nous, la RDC, nous perdons 15 milliards de dollars. Vous, vous perdez combien? Le Cameroun, ça perd combien? Le Congo-Brazzaville, ça perd combien? Donc, vous ne pouvez pas aller demander à la France de vous donner l'argent que vous perdez chez vous. C'est inconcevable. Voilà pourquoi les présidents européens ne peuvent pas vous prendre au sérieux. Ils ne vous prennent pas au sérieux. Quand ils appellent le président africain, « Allô, monsieur Tel, je ne cite pas le nom. Allô, monsieur Frédéric, comment allez-vous? Je vais très bien, mais vous savez, vous êtes où? Ben, je suis venu en France pour faire quoi? Pour me faire soigner. » Oh, attendez. Donc, chez vous, il n'y a pas d'hôpitaux? Chez vous, il n'y a pas de médecins? Chez vous, il n'y a rien? Pourquoi vous quittez votre pays? Or, lorsque Emmanuel Macron fait une crise, il s'est fait soigner en France. Lorsqu'un président américain a un problème, il s'est fait soigner dans les hôpitaux militaires chez eux. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Une petite grossesse, on va faire le contrôle prénatal à l'étranger. Ou alors, à la limite, si on veut faire semblant, on invite tous les grands médecins du monde. Ils viennent, ils organisent un bureau, je ne sais pas moi, un bloc opératoire. Mais VIP en Galiema. Et la reine va mettre au monde là-bas. On va dire, Omoni, Abotikoutouna Congo. Et j'ai même suivi. J'ai même suivi à la télévision nationale un scandale. Un journaliste a dit, la première dame a accepté de mettre au monde au Congo. Quel risque? Et ça, et le monsieur le dit à la télévision nationale. Ce n'est pas censuré. Que son âme repose en paix, mais que Dieu le pardonne aussi. Quelle aberration! Ça veut dire, nous qui mettons au monde ici, on est des cafards, quoi. Vous, vous acceptez. Ça veut dire, c'est une chose que vous acceptez malgré vous. Donc, c'est même pour mettre au monde votre propre enfant, c'est par amour que vous le faites. Est-ce que vous imaginez ça? Mais c'était ça notre vie. C'est ça. Et c'est ça la réalité de l'Afrique. Alors, dites-moi un peu. Comment vous voulez que l'Italie, l'Europe, la Belgique, l'Angleterre vous prennent au sérieux? Ces pays ne vous prendront jamais au sérieux. Mais jamais! Parce que chez nous, nous ne sommes pas transparents. La politique, c'est fait pour piller. La politique est faite pour rançonner. Ça ne peut pas marcher. On va raconter ce que l'on veut. On ira de sommet en sommet. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est du déjà vu, du déjà entendu. On a entendu des discours et des discours. Mais il est temps que l'Afrique conjugue les efforts pour son propre développement. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, ce que j'ai envie de le dire quand même, qu'est-ce qui empêche, par exemple, que nous puissions construire un pont Kinshasa-Brazza? Qu'est-ce qui empêche que l'on puisse relier le Cameroun, je ne sais pas moi, au Togo ou le Cameroun, en Côte d'Ivoire ou le Cameroun au Sénégal? Qu'est-ce qui empêcherait que nous puissions jeter des ponts là où nous sommes séparés? Nous, au lieu de créer des ponts, nous construisons des barrières. Le Rwanda ne veut pas le développement du Congo. La RDC accuse le Rwanda. Le Burundi, l'Ouganda acceptent de piller la RDC. Mais attendez, comment vous allez vous développer? L'Afrique ne peut pas se développer tant que nous nous regardons comme des chiens de défaillance. Il faut une conjugaison des efforts africains pour que d'abord nos biens et nos services soient convenablement distribués. Il faut que quelqu'un quitte le Mali jusqu'en République démocratique du Congo, en passant par la route, comme quelqu'un le ferait en quittant la Belgique pour aller en Angleterre, comme quelqu'un peut le faire en quittant l'Angleterre pour aller, je ne sais pas moi, dans quelle partie de l'Europe. Parce qu'ils ont réussi à relier l'Europe, nous pouvons réussir à relier d'abord l'Afrique. Commençons d'abord par la route. Commençons d'abord par les routes, que chaque pays investisse dans ses infrastructures, pour que nous construisions d'abord un écosystème, on va dire ça. Construisons d'abord un écosystème économique important qui va aider à ce que quelqu'un quitte le Rwanda, il arrive en Centrafrique, quelqu'un quitte la Centrafrique peut aller au Sénégal, celui du Sénégal peut aller venir dans le marché de Bangui. C'est ce que nous voulons en fait. Nous voulons que Moutoua Kozalana, la Côte d'Ivoire, il peut venir vendre ses cacao au Rwanda et que le Rwanda peut aller vendre sa patate douce en Ouganda, en passant par la RDC. Nous allons jouer un rôle très important. Il faut d'abord qu'on arrive à lever les barrières. Prenons la bonne décision d'abord de supprimer les visas pour nous, Africains. Supprimons d'abord les visas. Permettons-nous d'aller comme ça, sans visa.
Et nous allons appliquer les visas à l'intérieur. Ça veut dire que Christian peut sortir de la RDC, je vais en Afrique du Sud sans visa. Pourquoi il faut que j'aie un visa pour aller en Afrique du Sud? Il faut qu'on supprime ça. Il faut que le Sud-Africain vienne aussi chez nous. Mais nous sommes encore dans les histoires, non? Ils vont fuir chez eux parce que là-bas, il y a ceci, là-bas, il y a cela. Construisons une Afrique forte. Ça nous donnera beaucoup de respect. Le Sud-Africain est complexé devant un Français qui n'a pas de papiers, mais il est tout de suite très fort, très méchant contre l'Africain qui n'a pas de papiers. Mais c'est une bêtise, c'est une aliénation. Qui nous a appris à nous haïr de cette façon-là, comme le disait Malcolm X? Qui nous a appris à nous haïr de ce point? Comment nous nous regardons comme des étrangers? Nous nous faisons du mal. J'ai vu les Sud-Africains brûler les Nigériens. J'ai vu les Nigériens, excusez-moi, brûler les Sud-Africains chez eux. C'est pas possible, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Il est temps de construire des ponts, pas des barrières. Les marchandises de la Côte d'Ivoire doivent circuler partout en Afrique. Les marchandises du Mali doivent circuler partout en Afrique. Nous devons construire un monde. Et la France et l'Europe vont nous respecter si nous réussissons à le faire. Moi, je pense aussi qu'il y a un autre problème important en Afrique. C'est la définition des concepts. L'Africain, jusqu'aujourd'hui, n'a pas défini c'est quoi le pouvoir. Pour l'Africain, le pouvoir, c'est dominer sur l'autre. Ce n'est pas se soustraire de la loi. C'est rester longtemps au pouvoir. C'est enrichir son clan, enrichir sa tribu, protéger sa famille. Et c'est tout. Pistonner des gens et assurer ses arrières. On ne se soucie pas des peuples. Regardez, faites un constat, vous allez voir. L'homme le plus riche de l'Europe peut être Bernard Herold, je crois. Ça peut être lui. Ça peut être le plus riche de l'Europe. Mais ce n'est pas un politicien. Ce n'est pas un président, ce n'est pas un premier ministre. L'homme le plus riche en Amérique, à l'époque c'était Bill Gates, et puis après c'est le propriétaire de Tesla, après les autres. Et vous allez voir, ce sont les industriels. Ce sont eux qui sont les plus riches en Afrique. Si vous allez en Asie, c'est pratiquement la même chose. Alibaba en Chine et les autres, ce sont eux qui sont les véritables riche. Mais le contraire, c'est dans un seul continent dans le monde, c'est en Afrique, où les hommes les plus riches se trouvent être les présidents des républiques. Si vous allez au Cameroun, la personne la plus riche, c'est le boss. On l'appelle Boss Biya. Si vous allez au Gabon, c'est la famille du président gabonais qui est le plus riche ou la plus riche. Au Togo, c'est la famille de M. Yassine Bey. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si vous venez au Congo, c'est ceux qui ont dirigé 18 ans, qui se trouvent être le plus riche de ce pays. Espérons que cette histoire ne rentrera pas dans l'actuel gouvernement, dans l'actuelle gouvernance, et que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne sera pas le plus riche de tous les Congolais, parce que ce n'est pas ce que l'on veut. Et heureusement, lui-même n'en a pas besoin. Je peux dire de lui, parce que je l'ai rencontré. Je rencontrais un homme sur ses épaules, pas très porté par le lucre. Espérons que ça continue comme ça. Mais encore un élément important, parce qu'il faut le dire. En Afrique, ce sont eux les patrons. Au Rwanda, ça risque d'être lui-même, Kagame. Alors, tant que nous n'allons pas inverser la chose, inverser cette donne-là, croyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on parlera, et ça ne changera absolument rien. Et bizarrement, en Afrique, les politiciens ne payent ni taxes ni impôts. Ils ne payent ni l'eau, ni l'électricité. C'est des enfants chéris de la République, de gros bébés. Et du coup, l'Afrique est devenue comme une sorte de babysitter de tous ces gens-là. Ils vivent des mamelles de la République. Ils ont un gros ventre quand ils sont au pouvoir, et quand ils partent du pouvoir, ils n'ont plus le ventre. C'est des hommes et des femmes qui perdent le poids à l'absence du pouvoir. Quand ils n'ont pas le pouvoir, vous le trouvez. Petits, clochards, ils vendent leur maison à qui? Indûment. Est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Mais non. Nous devons donc décider de redéfinir la politique en Afrique. Il faut redéfinir cette situation. Il faut faire en sorte que quand on vient gérer l'État et que l'on vient effectivement gérer l'État, ça veut dire organiser l'État. Ça veut dire améliorer les conditions de vie. Les gens m'ont posé la question.
Christian, mais pourquoi en Europe, en France, en Chine et tout ça, pourquoi il n'y a pas de saleté comme chez nous? Mais je dis, mais là, ils respectent leur opinion. Chez nous, on ne nous respecte pas. Le pouvoir public n'a aucun contrat social avec le peuple, comme le disait Rousseau. Aucun contrat social. Voilà pourquoi ils améliorent, embellissent là où eux vivent. Mais là où nous, le peuple, nous vivons, on n'arrange pas. On peut même amener des poubelles chez nous. Regardez ce qui se passe à Kin aujourd'hui. Quel scandale! Mais quel scandale! Des stations qui pullulent comme des champignons. C'est la première fois dans ma vie que je vois des stations voisines des maisons. Stations d'essence voisines d'une maison. Donc je peux ouvrir ma fenêtre et je vois la station directement. Donc ça dit, je peux jeter de l'eau à la station. Est-ce que vous imaginez? Mais parce que ces gens-là se foutent de vous. Ils se foutent royalement de vous. Marambrabi, le taliban, beaucoup fabobi, dans le problème, on a été. Pour eux, c'est l'argent qui compte. Est-ce que la station va payer? Oui, elle va payer, alors donner l'argent. Le reste, là, ce n'est pas notre problème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons décidé. Vous avez vu les poubelles? Les poubelles sont voisines des maisons. Les poubelles construites par l'État, voisines de la maison, des maisons des gens, des habitations. On se plaint, il y a des embouteillages, il y a des embouteillages, mais comment il n'y aura pas d'embouteillage si un général construit dans une rigole? Comment il n'y aura pas d'embouteillage si un monsieur construit vole la servitude? Comment il n'y aura pas d'embouteillage? Et qui va en parler d'ailleurs? Avez-vous déjà entendu un débat d'embouteillage au Congo? Un débat sur l'embouteillage, sur la gestion des embouteillages? Il n'y en a pas. On nous envoie sur la route des gens qui vont nous narguer, des gens qui vont nous demander un peu d'argent. C'est ça notre mentalité, en fait. L'Afrique doit se redéfinir. Et redéfinir la question politique. Et c'est un principe donc, qui est partout, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. La notion que nous avons, regardez Macron, lorsqu'on reçoit Macron dans les plantations, ou lorsqu'on reçoit Macron dans les entreprises publiques, ou lorsqu'on reçoit Macron dans une université, mais il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de trompette. Nous avons encore la conception cheftale du pouvoir. Quand le chef arrive, papa yé, bisengona bisengo, papa yé, bisengona bisengo. Mais alors que vous êtes affamé, vous n'avez pas de transport, vos parents sont à la maison dans le chômage, on ne s'occupe même pas de leur retraite, parce qu'en Afrique, la retraite représente la mort. Alors dites-moi, comment vous faites pour chanter à la gloire de vos dirigeants, alors que vous devez leur exiger mieux que ça? Lorsque vous parlez à vos dirigeants, vous fermez vos pieds, vous êtes là en train de... Mais c'est votre serviteur, soyez fort, dites des choses. C'est pas possible, on est un scandale malheureusement. Nous avons vu un monsieur ici, président d'une chambre au Parlement, candidat, récipiendaire, mais reçu par le jury. Reçu par le jury. Là, nous venons recevoir les étudiants. Étudiants. Donc vous voyez vraiment en France, vous voyez aux États-Unis, parce qu'un ministre ou le président de la République veut appliquer, d'abord c'est incompatible, il ne peut pas, mais il vient quand même devenir professeur et c'est le jury qui sort au nom de... Non mais écoutez, mais vous-même vous caporalisez. Et puis en Afrique, il y a encore un autre élément qui me fait mal, qui m'étonne, c'est que le cerveau sont utilisés pour consolider les pouvoirs dictatoriaux. Et les hommes intelligents subissent cette chasse à l'intelligence. Soumettez-vous ou barrez-vous. Ou alors on ajoute, soumettez-vous ou mourrez. Et donc l'intellectuel se trouve dans une situation, soit il se soumet, soit il fuit, ben, ou alors il meurt. Peu ont le courage d'affronter la mort. Plusieurs ont le courage tout simplement de dire, et je me soumets, faites ce que vous voulez. Et c'est ça ce qu'on appelle la déchéance intellectuelle qui conduit totalement à une aliénation, une imbécilité collective, avec des dégâts très importants. Et donc, il faut construire beaucoup d'autres choses. Il faut qu'on arrive en Afrique à construire des systèmes juridiques importants. Il faut construire en Afrique des systèmes juridiques importants, des systèmes de droit très importants et très pertinents, pour que nous soyons tous égaux devant la loi. Qu'il n'y ait pas de justice des chefs et de justice des faibles. Il faudrait qu'il y ait une justice pour tout le monde. Ça veut dire, nous voulons avoir des vrais procès. Un premier ministre en procès, un directeur de cabinet en procès. Le Congo vient de donner un exemple. La RDC est un exemple sur la question. Nous sommes le seul pays dans la région
si je ne me trompe pas, où les ministres sont arrêtés, placés en garde à vue, où le directeur de cabinet, pas d'un bourgmestre, pas d'un gouverneur, pas d'un ministre, mais d'un président de la République, écope de plus de 20 ans de prison. Nous sommes le premier sur la question. Mais est-ce que le chef de l'État aura des gens pour parler de ça? Est-ce que sa communication parlera de ça? On n'en parlera jamais. Parce que, bon, ça va donner le pouvoir à Félix Tshisekedi. Nous sommes le seul pays où un ancien premier ministre est traqué. Parce qu'il faut qu'il parle, il faut qu'il réponde aux questions. Mais il se cache derrière les pesanteurs politiques et ainsi de suite, avec la manipulation et puis en cherchant la sympathie des gens. Mais avec cette histoire, ça ne marchera jamais. Nous voulons avoir un système judiciaire indépendant où l'on peut convoquer l'ancien président de la République. Un ancien président, comme c'est le cas en France. C'est nous qui voyons, c'est nous qui décidons. Et nous devons, à mon avis, construire des systèmes politiques qui ressemblent à nos mœurs, qui ressemblent à nos coutumes, qui ressemblent à notre vécu, qui ressemblent à notre idéal, que l'on va puiser dans le patrimoine culturel, historique, politique, métaphysique africain. Si nous réussissons à le faire, eh bien on aura défini notre souveraineté. Parce que nous sommes un peuple en retard culturel. Nous sommes un peuple avec beaucoup de litiges culturels. On a des problèmes identitaires. Et c'est à nous de décider ce que nous voulons faire. Moi, je crois que l'Afrique n'est pas un problème. C'est plutôt l'Africain qui est un problème. Alors, du moment où l'Africain comprendra qu'il n'est pas venu pour pousser les autres, pour enrichir les autres, mais d'abord soigner son environnement, se réconcilier avec son sol, se réconcilier avec la métaphysique africaine, l'Afrique va se développer. On n'aura pas besoin d'aller nous humilier comme c'est le cas, on le fait. Emmanuel Macron qui parle avec toute aise. Hein? Il dit allez au travail, allez au travail. Ah, c'est lui qui le fait. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu nous aide. Hein? Je crois même que c'est nous l'Africain. Que l'Africain comprenne que nous sommes le soleil. Nous sommes le soleil. L'histoire démontre que si vous n'avez pas les meilleures écoles, si vous n'avez pas les meilleures universités, vous n'aurez pas le cerveau, le vrai cerveau. Or, la première richesse de l'humanité, c'est le cerveau. Parce que c'est de là que sortent toutes les décisions de développement et toutes les décisions de sous-développement. Mesdames et messieurs, ailleurs, l'homme est un acteur du développement. Mais chez nous, l'homme est un acteur du sous-développement. C'est l'homme qui constitue le frein de l'Afrique. C'est l'Africain qui tue l'Afrique. C'est l'Africain qui pille l'Afrique. Et si c'est l'Africain qui tue l'Afrique, si c'est l'Africain qui pille l'Afrique, donc l'Africain peut donner naissance à l'Afrique, peut faire renaître l'Afrique. Alors je vous conseille, dormons tous les jours avec certaines inquiétudes sur l'Afrique, mais réveillons-nous tous les jours avec une détermination écrasante que cette Afrique que nous voyons à genoux se levera demain. Mais se levera demain avec ses dignes fils, ces enfants qui n'auront pas fléchi devant le dieu de Baal, ces enfants qui n'auront pas cédé à la compromission, à la tentative très naïve de détruire et de comploter contre ce pays, contre ce continent. Comme disait Kwame Nkrumah, l'Afrique est une. Et comme disait le guide Kadhafi, que l'Afrique, elle sera forte, seulement unie. Divisés, nous perdons. Unis, nous gagnerons. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse, cette fois-ci, l'Afrique. Hello. Lupi non biba ila bilo ko ya. Ba ina ka bilo ko etazini. Oni ko mama bo ina bona bo genèse. Mona etazini. Tata yo ki kole la nabino. Atinde libino. Mama Samira. Ndenge ozala ka etazini o kole lo kola mutwaza na mombele. Le cola mutuaza na ngaba. Merci mon bouche. Wow. C'est mon bouche. Bana etazini. Kolia bio. Et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope mafuta ya mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebi toyo. Che mama Samira, manso mazali, eloko mokote yo kolukoko monate.
Nandenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro, numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse, ya entrepôt 1240, avenue Randol, dans les banques. Tala, yoko banda koteka. Mbisiya kokauka, mongusu, mafuta ya mbila, ekoko malokola bazoka na yo. Yeyo, kombone mama Samira, makiyambae. Oyokite, au taliban faute, au moni ba maquette, au moni signature yaba contrat toté. Seul partenaire immobilier sûr, objectif habitat Asbel, maman Monseka, Kotoyo et Komiko Stila. Et pas nabiso, nungu nungu ezalate. To banda na la il, to komi na la 7. Maman Monseka, partenaire ya sûr. Kotoyo et komi aussi là-haut. Afin que Batounio se base à la servie, Mbaloyo, Platinum, Gold, Silva. Platinum, 6000 dollars. Gold, 4500 dollars. Silva, 3500 dollars. 20 sur 20, Namaluku, Namakadam, nouvelle zone économique, Pene Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. On a maïpé sécurité, t'en rassura. Maman Laure, maman y a opportunité à Koma Nagombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le